Salut à tous! Aujourd'hui, on va découvrir une plante, une des premières qui arrive au printemps, qui arrive même à la fin de l'hiver. C'est la ficaire. C'est parti! Regardez, on en a juste une ici, une belle ficaire. Elles font partie des renoncules. C'est une plante géophyte à bulbe que l'on peut trouver dans les bois, dans les jardins, au pied des haies, un peu partout, là où c'est un peu humide. Elle indique un sol riche, égorgé d'eau. La ficaire, elle a plein de noms communs selon les régions ou les départements. Là, par chez moi, en Mayenne, on va l'appeler le pissenlit doux ou le louis d'or. Et vous, vous en connaissez ? Alors voilà, si vous en voulez dans votre jardin, si vous en trouvez dans les bois ou au bord d'un chemin ou d'un fossé, etc., il vous suffit de déterrer un morceau de la plante avec ses bulbes et ses tubercules et puis de le replanter chez vous. Et normalement, ça devrait reprendre, c'est assez facile. C'est pas très exigeante comme plante. Alors cette plante, elle est souvent considérée comme étant toxique, parce qu'elle contient des proto-anémonines. C'est-à-dire que c'est une substance en fait qui va irriter les muqueuses et la peau. Cependant, si vous faites sécher la plante, toute sa toxicité disparaît. Si vous voulez la consommer, cueillez-la avant qu'elle fleurisse, c'est-à-dire avec des jeunes feuilles. Comme ça, vous n'aurez aucun problème. Sinon, si vous voulez prendre des feuilles plus âgées, ou même après la floraison, je vous conseille, il faut les faire cuire et les sécher. Ou les sécher. Et les boutons floraux, également, comme les feuilles. Elles peuvent aussi mariner dans du vinaigre et servir de câpre. Il faut savoir que la ficaire est utilisée depuis très très longtemps, depuis le Mésolithique, et encore un peu aujourd'hui. Les feuilles, elles étaient séchées puis cuites pour remplacer le chou. La forme des tubercules rappelle celui des hémorroïdes. Donc, on estime, et c'est le cas aujourd'hui, qu'elle soigne les hémorroïdes. Ce serait une plante aussi qui soigne aussi les verrues, tout comme la chélidoine. C'est une plante qui est extrêmement riche en vitamine C. Si on les cueille jeunes, les feuilles, on peut les manger en salade, on peut les ajouter aux vinaigrettes, au pesto, on peut garnir des tartines ou faire cuire avec des soupes. Alors comment on reconnaît cette plante ? Et bien, c'est très simple. La ficaire, elle a 3 sépales, 6 à 12 pétales bien jaunes, dorés. Les feuilles de la base ont un long pétiole. Le limbe est glabre et luisant, plus ou moins arrondi au sommet. Au cœur de la feuille, il y a voir aussi une tache noire sur le limbe. La feuille est parfois dentée, parfois entière. Et si vous arrachez une rosette de feuilles avec racines, vous verrez des petits bulbes caractéristiques de la ficaire. Cette plante est fleurie de janvier à juin selon les régions, puis elle disparaît complètement jusqu'à l'année suivante. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez déjà goûté à cette plante ou si du coup ça vous tente. N'hésitez pas à laisser un commentaire, mettez un pouce, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve très vite sur l'Instant Biodive. Ciao.